En 2016, j'avais testé la plus petite trottinette du monde. Vous aviez kiffé le concept. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, je me suis dit que j'allais réitérer en me donnant le défi de construire la plus grande trottinette freestyle du monde. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle. Bon, du coup, ça va être très simple. En fait, j'ai toutes les pièces de trotte qui sont ici. Donc, on a les guidons en titane. Du coup, le guidon, il va être assez léger. Full titane, ça va être trop stylé. On va aller chez ProWeld, ceux qui m'ont fait la magnifique œuvre d'art de ma ligne sur la Skyline. Donc, c'est eux qui vont me faire toutes les soudures pour le guidon. Ça va être de couper ici les guidons titane en haut pour avoir que les manches. Et il y en a un seul où on laisse le haut parce que bah du coup il faut quand même en garder un. Pour les decks ça va être très simple, c'est pareil. Il y en a un où on va couper l'arrière et l'avant. Il y en a un où on va couper l'avant et laisser que l'arrière. Et il y en a un comme ça où on a coupé que l'arrière. Et en gros on va garder l'avant comme ça. Les decks c'est coupé, regardez ce que ça fait du coup. Il y a le petit qui va aller au milieu. Et ensuite on a l'arrière qui vient juste ici comme ça. Du coup en gros l'objectif c'est de faire ça. C'est de rentrer les petits bouts de poignée voilà, qu'on coupe sur les guidons. Et de les foutre en fait à l'intérieur du deck. On va faire dépasser la moitié dans ce deck là. Et la moitié dans l'autre. Pour faire venir rentrer celui là comme ça. Et en gros on va souder tout ça pour pas que ça se barre. Maintenant il nous reste plus qu'à couper les trois guidons titanium. Du coup celui-là on va le couper ici. Ça, ça va partir. Je sais pas si vous voyez ici, mais en gros les barres elles sont toutes fissurées. C'est pour ça qu'elles sont chez moi et qu'elles servent à rien. C'était mes anciennes barres que j'ai arrêté de rouler parce que bah elles étaient fissurées. Du coup elles pouvaient casser, c'était dangereux. Sur ce guidon on va garder le bas et sur celui-là du coup bah, on va garder que le haut. Bref c'est parti, on part sur les découpes. On se retrouve avec toutes les pièces. J'ai tout bien coupé pour ProWeld. Ils font un travail qui est monumentesque. Monumental. Non, desk, il n'y a pas. Non. Exceptionnel voilà. Ça, c'est plus français. J'ai l'impression de les entendre en train de soudre. Donc, ça se dit soudre. Oui. Bref. Ça va pas. C'est qui crie devant chez moi. Ouais, mec. Bonjour. Tranquille, bien. Oh Guigui, comment ça va? Oh, ça va la forme. Et toi? On s'est dit bonjour il y a 2 minutes. Hein. C'est hein faux, je viens de te voir. Qui êtes-vous d'ailleurs? Ah si, je vous reconnais, Philippe Pantenot. Sinon, viens voir. J'ai essayé de tout bien découper et de tout bien poncer parce que je connais qu'il faut bien poncer pour pas se couper, etc. Attends, j'irai pas à la table de boucher, mec. Vraiment. Tu as coupé comme ça, ton. Il a pas fini sa phrase. Putain, je suis jaloux, ils ont tous des beaux bonnets de Père Noël. Ils sont sexy vos bonnets. Hein. Ouais, tu n'as pas de bonnet de Père Noël, toi. Et j'en ai un, mais il est chez moi. Pourquoi tu l'as pas ramené? Mais parce que c'est pas Noël. Enfin, c'est 24 ou 25 Noël. Le vrai Père Noël, il passe le 25 matin, c'est ça? Ou c'est le 24 matin? Le Père Noël n'existe pas. Mais t'es fou, il existe, je l'ai déjà vu. Ça, avec une pince, on serre. En fait, celui-là, on le met à la moitié là-dedans, moitié là-dedans. Et ça, en gros, je t'ai fait des manchons. Peut-être que pour la soudure, c'est mieux. T'as raison, c'est très bien. Ça se fait, tu penses? Bien sûr. On y va? Vas-y, go. Mec, la lumière, quand il baisse son casque, c'est trop stylé. Vraiment, Iron Man, regarde-moi ces soudures, mec. C'est magnifique. Oh là. Ça, c'est vraiment la clé à molette du garagiste par défaut, tu sais. Des blagues, j'y arrive pas. Je sais pas quoi dire. On voit qu'il est pas droit, je sais pas si tu vois. Je sais pas si le vent. Ouais, si, si, carrément, ouais. Bon. Frérot. Ah, regardez, très beau travail, tout est soudu. Mais mec, vraiment ce verbe, mais vraiment le verbe soudre, souder. On vient de recevoir un colis, il y a toujours un cadeau. C'est pour toi. C'est quoi? Allez, bâtard. Le kit pour apprendre, c'est ça. Bon, regardez la différence entre 1 et 3. Oh mec, quand ce sera monté, mec. Voilà, en vrai, voilà. Ça va être aberrant. S'il y a 20 000 likes sous cette vidéo, je tente un backflip à 3 sur la trottinette. Sur une méga rampe. Je pense qu'une fois qu'on aura monté la roue arrière et la roue avant, je pense que les deux ne vont pas toucher le sol. En gros, il y a le deck au milieu qui va toucher. Donc là, tu mets ça comme ça. Le 4 fois, hein. Est-ce que le guidon de titanium c'est plus galère à souder? Oui, oui, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus discret. Et le titane d'ailleurs coûte très cher. À la base, c'est fait pour les fusées et les choses de ce genre-là. Bah, c'est un peu une fusée, mais après, c'est un truc une œuvre d'art quoi. Oh, le manchon en plein milieu, mec. T'as le Covid ou? Ouais, ouais, positif. Ouais, grave. Positif, ça veut dire que c'est positivement, je l'ai pas. Si. Ah, mais négatif, c'est quand tu. Bah, non.
Je viens actuellement de réaliser la plus grande barre titane du monde de trottinette freestyle. Attends, tu veux faire la figure ou tu fais comme ça là? Tu fais... Ouais. Mais impossible. D'accord, impossible. Les mecs. Non, en vrai c'est incroyable. Est-ce que tu penses que ça va tenir ou ça peut casser? Ça va pas casser mais ça va se plier. Ça se plie un peu. Ouais, c'est sûr. Bon, du coup l'idée là, regardez, c'était de la mettre un peu en sandwich en fait. L'objectif c'est de rouler avec une voiture dessus pour que ça la remette droite. Moi je pense que ça va pas. Top. Je crois qu'il y a un mini truc, hein, non? Let's go! Tu es reçu au FC Homme. Merci Pro Weld. Ouais, pareil de qualité de trottinette. Pareil de qualité comme on sait faire. On va customiser la trottinette et ensuite aller au skatepark. C'est parti. Geoffrey, il a pas filmé le début de la vidéo avec moi, il vient me voir. C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me fais encore là? Là, il y a une petite partie de mes pièces de trottinette que vous pouvez retrouver sur mon site internet avec le petit collet de tirage S2S. On aura besoin aussi d'un petit jeu de direction, mais qu'il est magnifique celui-là. En noise leak, il est magnifique. Ouais. On va prendre aussi une petite paire de roues. Du coup, on va prendre la noise leak aussi. Montage de la trotte, mon gars, c'est parti, let's go! J'aime bien faire les choses bien, tu vois. Quoi? C'est quoi ce rire? T'as des spasmes, Geoffrey? Non, mais c'est rien ça. Non! J'espère que les deux roues vont toucher le sol. En vrai, je pense. C'est vraiment ma seule peur, toi. Tant que la trotte elle roule, ouais. Mais en fait, j'ai peur que comme ce soit banane, il y a une roue en haut, une roue en haut, et ouais, du coup, le deck qui touche au milieu. Touche. Ah, mais avec mon poids, ça c'est sûr qu'il va s'enfoncer un peu, tu vois. La roue arrière est montée. Est-ce qu'elle est droite? Un peu de travers. Ouais, un peu. Un peu de traviole. Le grip est tout beau gosse. Bon, je sais pas si ça se voit, mais en gros, il y a des trous. Maintenant, on va passer au montage de tout ce qui est là. Ce moment est très long. Ouais. Maintenant, petite transition. Elle va rentrer. Voilà, petite roue mise. Maintenant, il est temps de tester. Est-ce que si je la pose par terre, ça touche ou pas? 3, 2, 1. Mec, il touche pas. Par contre, c'est banane de fou. Bah, ça roule. Ça a l'air en tout cas. Maintenant, il faut qu'on teste la même chose, mais avec moitié. J'y crois pas du tout. Oh mec, c'est, est-ce mec, qu'on n'est pas à la limite des pixels de ouf? Oh là là, mec, c'est tellement à quelques centimètres. Oh, mais mec, t'es abusé. Mec, c'est aberrant. T'es hors champ, je suis obligé de m'allonger. Regardez sa position, regardez comment il est exploité. Tu m'avais dit que tu ferais un brie flip avec cette trotte. Ça veut dire que j'achète du fromage et je fais un salto. Brie flip, c'est ça? Exact, avec un fromage dans la main. Dans la bouche et dans la main? Dans la vidéo, je veux qu'on ait acheté du fromage et que tu fasses un backflip avec un fromage avec dans la bouche. Avec une caméra qui est où on boit mâché. T'es là, tu me mâches, je te jure, je veux qu'on fasse. Mec, j'adore mes idées. Je te déteste. J'adore. Eh, faut que tu tapes ton meilleur pro. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas moi. Hé, hey, mon gars. C'est parti, on va aller au skatepark, on va aller essayer ça. Bien évidemment, vous connaissez dès que j'arrive au skatepark. Petit échauffement avec ma trotte et ensuite on passera du coup à la géante trotte qui est juste là. Vous savez quoi? Échauffement, juste 10 tricks. Mec, t'es super chaud, gros. Échauffement. Bah, échauffement, gros. De fou! Plus jamais. En vrai, il a flippé et moi aussi, mec. Vraiment, j'ai eu peur. Il est temps de monter cette magnifique trottinette. Une triple barre titane. Par contre, comment je vois si ma. Parce que de base, je dois être au-dessus pour voir comment ma roue est droite. Du coup, je dois faire ça. Mais... Comme ouais, ça. Deux. Et là, je regarde la taille. Hop. Les deux petits derniers coups. Est-ce qu'une grande trottinette peut avoir un bon drop test? Ça va? Ah, en vrai, ça va. Tu vois, donc les tricks, je pense que ça peut se faire. Mais ça va être très compliqué, je pense. La trotte doit faire 1m80, 80, je pense. Tu fais 1m84? Ouais. Non, c'est à peu près ça. Hein. Il est enfin temps de tester cette trottinette. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Oh, mec, ça roule. Eh, ça roule, mec. Mec, tu touches pas.
Mec, la direction c'est ultra bizarre. Ah ouais. Là pour le coup t'as un mec qui vient comme ça au skatepark qui fait chier tout le monde. Tu flots non. Eh hey, t'as 0 sur 20. Mec la direction c'est impossible. En fait elle est devenue flexible la trottinette. C'est à dire que comme elle est grande, bah forcément du coup elle bouge. Waouh. Ça c'est du saut ça. Ça c'est du bunny de qualité ça. Objectif, est-ce que je peux descendre une rampe avec? Bah je pense. Eh ça va être bancal de fou c'est sûr. T'es obligé de pousser. Wouh. En fait j'ai planté direct et je suis passé en avant parce qu'en fait la barre elle est trop flexible. Let's go. Tu penses qu'on peut prendre un rail avec? Wesh frérot t'abuses. Ouais ça va peut-être un peu de demi-mesure. Un rail t'abuses. Allez. En fait je me dis, si j'atterris sur la trotte, elle va péter. Ouais. Il y a juste l'équilibre, mais en vrai mec Oh. Je peux rouler. Je vois les parties. Let's go. Let's go mon Bien gars joué. Regardez le nouveau produit que j'ai sorti sur mon site internet. Oui. Franchement j'en suis super content, j'ai sorti ma boisson énergisante. Vas-y tu me dis quel goût ça a. Mais y'a rien dedans. Mais si y'a quelque chose. Mais tu me vois. Vas-y ouf. Non mais si y'a des porte-clés et tout. Mais si je te jure c'est super bon hein. C'est énergisant de fou. Mais tu fais quoi frère? Moi je suis en train de la graille. Oui oui oui. Tu te fous de ma gueule, j'ai pas le Covid. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh fais genre, Gigi, fais une réaction, tu fais. Wouah, c'est incroyable. On a la vraie version. Wesh, c'est trop bien, ouais. C'est incroyable, t'as vu? Attends, je peux goûter. C'est trop bon, wesh. À l'intérieur, vous avez tout pour vous soigner n'importe où, dans n'importe quel skatepark. Je l'ai imaginé avec des professionnels de la santé. Il y a un certificat qui certifie tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette canette, enfin de cette boîte du coup. Hein. Ce que j'ai rajouté de moi-même, en gros, c'est un petit sachet pour si jamais tu te casses une dent, parce qu'il y en a plein qui se cassent des dents au skatepark, c'est pour ça que je mets un protège-dent. Tu récupères ta dent qui est par terre. En vrai, c'est hardcore. Cassé, ouais. Tu récupères ta dent qui est par terre, tu la mets dans le petit sachet qui est à l'intérieur, et en fait, c'est un sachet qui est exprès pour garder ta dent jusqu'à que tu ailles voir un médecin pour qu'il te la remette. Parce qu'en gros, si tu perds ta dent, tu la retrouves pas, bah elle repousse pas. Non. Ça c'est pas un ongle. Non. Le petit kit dispo sur mon site internet. Il est gratuit. Est-ce qu'on testerait pas un petit bar? Bah si. Ça a l'air tellement dur. Oh pas loin. Oh les let's go. Maintenant whip. Vas-y whip. Ouais. Wouah! Ça veut même pas partir! La vue ça passe, la vue ça passe! Wouah, t'es un malade! Ok, je l'ai! Y'a un début, hein! Y'a un début, hein! C'est toi qui l'a fabriqué? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça! Ah, d'accord! À part faire le con avec ça, quand même, il m'a pas respecté! De là-bas, je voyais pas! C'est pas possible, il l'a acheté, ça doit servir à quelque chose. Mais non, ça sert à rien. Tu vas y arriver. Ouais, je vais y arriver, c'est gentil, merci. Je me suis fait clasher comme jamais. Ah ouais, à part faire le coin avec. Viens, descendre le quarter. Vas-y. En vrai, ça devrait le faire, je pense. Ok. Bon, je sens le face plant, mec. Ah oh, ouais. J'ai pas assumé. Ouais. Oh la dinguerie. Oh là là, il est passé. Ok, let's go. Je suis un manuel. Oh t'es chaud. Wesh t'es chaud. Mais gros, mais c'est déjà validé en fait. 3-6. Déjà 180 non. Oh ça a l'air tellement possible gros. Je crois que c'est physiquement pas possible. Ah ouais. Ok, 3, 2, 1. Wow. Mec, je crois que tu l'as pas eu en vidéo. Mais mec, je me suis pris un retour de guidon dans la tête. Non, quand il y a un jeune au skatepark qui vous fait chier, c'est facile, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle et c'est fini. Sauf qu'il rentre pas, merde. Il est trop avant bon. Il rentrait, avant il était plus petit, je le mettais facile dedans, tu vois. Oui, je
jeune homme. Merci, merci monsieur. Il y a son Insta juste là. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h11, pour une nouvelle dinguerie sur la chaîne. Abonne-toi. C'est la fin de vidéo. C'est la fin. Moi je suis un mec, apparemment je parle très proche de la caméra, on dit souvent, mais je comprends pas pourquoi.